cette course en ligne élite homme. Téléphonie en protocolaria. Et nous sommes en 2004 et demain, un Français champion du monde. Et on va beaucoup mieux, on ne sait jamais. Et niveau des amateurs, au niveau des amateurs, beaucoup d'absents, à mon avis. En espagnol, ça risque d'être un second qui va gagner. Si bien un EDEC peut être champion du monde, mais tout dépendra comment on va se couper la course. Bon, là, là, Blanchard. Regarde, elle glisse maintenant la salle. Regarde, c'est bien, faut pas. Un bloc. Bon, les gars, la casquette me freine un peu. On va peut-être t'enlever. Photo de groupe et on. Ah non, c'est Sylvain. Putain, la Porsche. Ah non, c'est Sylvain. Allez, mec, là, comme un compagnon de la chanson. Ils étaient façon, 13, les compagnons. C'est attaque à outrance. Je suis Jackie Durand aujourd'hui. Eh, hey, les vélos, mec, ouais, préparez-vous. Allez, Jackie Durand, si on gagne. Et si on gagne pas, je comprends pas, les mecs. Le Moldave. Il en manque un à Cadz. Allez, les bleus. Pour l'instant. Mais il manque quelqu'un, non? Cadz. Ouais. Vas-y, Albert. Mais Cadz, viens avec nous. Attends, j'arrive. Allez, tu fais. T'es enregistré sur les commentaires, tu peux te lâcher là. C'est le tour de chauffe, attends. Non, je vais foutre les warnings. Alors que Freddy Denelec se chauffe tranquillement à la Keken sous pression. Putain, je fous mes warnings hein. Parce que ils ne vont rien comprendre en ce moment. Il y a du monde derrière. J'aurais peut-être pas enregistré. Qu'est-ce qu'on fait là? On les rattrape, je cours les prendre ou quoi là? Des putains, mais donnez-nous des informations, les écarts, là on a rien! Mon oreillette, c'est rien du tout là, dites-nous quelque chose! Et y'a Taro devant là, il peut être dangereux, on sait jamais là! J'aperçois Erwan Kadit qui se chauffe avec son cuissard RMO. Alors, un petit commentaire du squal au volant. Oh, ils attendent le dernier tour pour faire la flingue, il faut attendre tranquillement. Et puis il faut faire attention quoi, au niveau de la descente. Ça va être très technique la descente. Et puis il faut être présent dans le haut de la côte là, avant la descente, parce qu'autrement, des fois on ne retrouve jamais le concurrent de devant. Comme en 90 à Jutz Tuama, où Martial Gaillon n'avait pas pu revenir sur les deux Belges, Rudy Danen, c'est Dirk de Wolf. Ou alors comme en 1993 à Oslo, où le pauvre Gérard Rué était à 5 secondes simplement au sommet de Lance Armstrong, il n'avait jamais pu le récupérer parce qu'il pleuvait et puis la descente était technique, donc attention. Et nous avons récupéré à l'arrière de la voiture balai et Berabo. Ça a plagué là. Je crois avoir repéré le suceur de roue Tonio à la lutte avec Freddy Ned. Fred Nedelec qui a une énorme expérience de ce genre de course. Rappelons tout de même qu'il avait remporté la kermesse de Tim Andoué à Carfatin sous le maillot du VSQ. Grande époque. Il y a de la distance là, il y en a distancé déjà. Hein. Le ravitaillement a toujours été une garantie d'un bon cours, d'un bon tour. Et voilà, c'est une vieille tradition qui se perpétue au fil des courses. Les portes. Tiens, les bleus, vite. Alors que le premier à se présenter au ravitaillement est Fred Ned, suivi de Tonio le souceur de roue. Erwan Kadit et Sylvain Lebas. Le gars est détaché. Tintin est un petit peu lâché. Que tu
veux ton ravitaillement? Ouais, je viens. T'es loin, hein. C'est dur, hein. Putain, j'ai pété dans les côtes de Bon Secours. Tintin qui reprend la route. Ah là 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 là, j'ai une musette. Pour ça. Tintin qui essaye de remonter sur le peloton. Mais Ninette a pris un petit peu de retard dans ce ravitaillement. Alors qu'il est toujours sponsorisé par Heineken ainsi que Tonio. Erwan qui a dit qu'il a loupé la séance d'épilation ce matin à l'hôtel. Mais qui n'a pas oublié sa kéken. Il est bas à la DD Chalmel. À Valcalcourt 79. On fait des écarts, top. Ah, le lion, ça se creuse, hein. À bientôt 1h30. 13 secondes. Il n'y avait que 11, n'est-ce pas? À bientôt 1h30 de l'après-midi, c'est vrai que... l'écart se creuse et Kaz est en train d'ailleurs de... 23 secondes. Entre le peloton et... Je crois que Freddy Neds est en train de... préparer quelque chose. T'as vu comment écarte 31. C'est pas mal, hein. 36. Putain, j'aurais jamais pu suivre. 36 secondes, putain, et là tu fais juste devant. Et alors que nous venons de croiser la moto de France Télévisions qui part vers l'arrivée. Superbe image dans la montée. Pour l'arrivée, Tonio et Frédéric. Putain, la ligne est même pas droite. Je crois que c'est Tonio qui lance le sprint. Suivi de très près par Freddy Neds. Je crois que ce sera Tonio. Ned, c'est Freddy Neds. Le CAD. Oh, oh. Ça s'est pas joué de grand chose, hein. Tintin. Bravo. C'est dur pour le bas, c'est dur, c'est très très dur. Ça, c'est très beau. Bonheur. Perdant. À deux bandes de l'arrivée, t'as 10 secondes d'avance. Ah putain, ouais. C'est très bon. Par contre, les écarts ont mis du temps à venir et si j'avais su ça plus tôt, je pense que j'aurais fait tout exploser. Et à la fin, c'est moi qui explose. Oh, mais les peurs, vraiment. Par contre, j'ai perdu ma musette en plus d'elle des beurs. Ici, dans mes rayons. Ah, t'as remis ta chaîne avec ton nez. Commentaire de Fred Dedelec. Je sais pas, faut attendre la photo là. J'ai jeté mon vélo. J'ai jeté mon vélo, je sais pas. J'attends la vidéo. Alors ? Et t'as pas flingué une paire de gants, je vous dis. Est-ce que... Ah putain, priori, putain. Joli les gars. Comment dire, c'était Tonio. Tonio a démarré, a déboîté aux 250 mètres. J'ai cru que je le reverrais jamais. Je suis revenu dans la roue. J'ai des legs chameaux pour que tu m'aies demandé de ralentir. Putain, j'avais 10 secondes. J'ai couru pour toi. Tous les derniers critériums de la saison. J'ai donné ma deuxième tartelette, tu vas pas dire le contraire. Putain, elle était pleine de papier à lui, j'en ai encore plein énorme, con. Oh, Antonio, à 5 mètres, t'étais encore en tête. Ah, ouais. Le retour de Le Gall, énorme. Putain de chaîne. Putain de chaîne, j'ai gagné. Putain, on dirait Louison Bobet, c'est les anciens. Allez, on va au ravitaillement. Les organisateurs, on va au ravitaillement.